Salut les gars, excusez-moi, je suis un peu gnané, je suis trop gnané. Parce que je vois un peu les commentaires sur Facebook, tout le monde veut le son Bambolo. Il a dit que ça sort le 1er mars. Ça sort le 1er mars. Hein? Mais en attendant, comme les gens sont un peu tôt jaoli, aujourd'hui il y a eu une petite inspiration. Moi je m'inspire, je ne m'inspire pas à la drogue, hein, regardez, c'est Marlboro Rouge, c'est la cigarette. Et puis je m'inspire avec ma femme. Elle ne peut jamais me tromper. Elle ne peut pas me donner gourmet, au contraire, elle me donne les dents, même boutiers. J'ai été trop frustré à la fin de 2014. Là, je viens de créer un petit son, c'est Ogi Solo qui a joué la guitare. Hein? Vous allez écouter le refrain. C'est le Bambolo avant que le vrai Bambolo ne sorte. Mais ce qui va prendre, va prendre. Mais le avancé, ça tue déjà en bengue. Hein? Écoutez légèrement, il n'est même pas encore arrangé, il vient de poser la voix. Ce n'est que la maquette. Hein? C'est un projet faible, il n'est même pas encore touché quelque chose. Mais j'ai tout fait, fini le son cette nuit. Et puis demain à minuit, allez-y sur voir Mix DJ pour aller télécharger l'avant-goût du morceau qui a sorti le 1er mars. On dit, c'est fini. Y'a un fouille. J'accepte. Mais c'est le tennis talk. Écoutez ça. Ça vient vous trouver demain à minuit. Sinon, le vrai Bambolo lui a avancé. 1er mars. Mais on dit, hier, on n'est pas mélodieux, il dit rien de ses sons. Quand moi, ça me fait rire. Parce que mélodie, là, c'est nous, on a créé ça en premier. Jonathan, c'était quoi, mélodie? C'était quoi? C'était quoi? C'était quoi? Ciao, ciao.